L'une des difficultés que les gens politisés ont à intéresser les gens qui ne sont pas politisés à la politique, c'est-à-dire à la participation à l'organisation de la société, c'est depuis la Révolution française, qui a été en réalité une révolution bourgeoise, mais qui s'est cachée derrière la philosophie libérale, qui a donc pour vertu de nous faire prendre conscience à nous les individus que nous avons des droits qui se basent en réalité et avant tout sur ce qu'on appelle les droits naturels. Mais donc cette révolution a été en réalité non pas la révolution du peuple comme on nous l'enseigne dans les livres d'histoire, etc., et comme on le croit tous, mais en réalité une révolution bourgeoise qui a consisté en fait à changer de domination, c'est-à-dire c'était plus les seigneurs, le roi et le clergé, etc., qui dominaient les Français, mais remplacé maintenant par le bloc bourgeois. D'accord, pour le dire rapidement, mais peu ou prou, c'est ça, quoi. Au niveau des idées, c'est sur la philosophie libérale que la bourgeoisie s'est appuyée pour pouvoir aussi motiver le peuple, parce que la philosophie libérale, c'est ce que je viens de dire, c'est la liberté, les droits, etc. Mais ça, en réalité, ça s'est fait dans la théorie et pas dans la pratique. Dans la pratique, nous ne sommes pas tous individuellement réellement libres, d'accord ? Et je pense qu'aujourd'hui, on en est rendu à un point où c'est flagrant, et que c'est une petite oligarchie bourgeoise qui détient en réalité le pouvoir. Malgré tout, donc comme je viens de le dire, si ce n'est pas dans la pratique, dans la théorie, la philosophie libérale a infusé les esprits, d'accord ? Et s'est diffusée comme ça dans la société. Malheureusement, si on en reste à ce stade, au sein même de la philosophie libérale, me semble-t-il, en tout cas c'est le point de vue que je propose, il y a une graine de dérive qui est l'individualisme. Individualisme sur lequel prospère le capitalisme. Pour que le capitalisme existe, c'est bien ça, c'est individu, enrichissez-vous et ça bénéficiera, soi-disant, à l'ensemble de la communauté. Donc c'est bien un point de vue de départ individualiste. Donc le capitalisme se base sur cet individualisme qui est au sein, malheureusement, de la philosophie libérale, et le multiplie, le décroît, le rend encore plus important, et de ce fait, en réalité, atomise la société. Les individus dans la société ne sont plus des individus qui font partie d'un collectif, mais ce sont des atomes comme ça qui sont de fait dans une société, un territoire donné, une culture, etc., mais qui sont de plus en plus seuls, esselés, et c'est une démarche aussi qui s'impose à eux, mais aussi malheureusement à laquelle ils participent inconsciemment. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles ceux qui sont politisés et qui essayent de remettre sur le devant des esprits, de la scène, etc., la nécessité du collectif, parce que l'organisation de la société, c'est ça, c'est le collectif, eh bien ils se trouvent face à la difficulté qui est apparue notamment à la Révolution française et puis qui s'est décuplée, multipliée par la suite, de l'atomisation à cause du libéralisme mal compris, ou alors de la graine de perversion qui existe dans le libéralisme, qui est l'individualisme. C'est pour ça que je propose de dépasser le libéralisme par le post-libéralisme, c'est-à-dire, ok, les individus ont des droits, mais que pour que ces droits existent, il faut un collectif, et donc le collectif est aussi important que l'individu, que les droits de l'individu, tout ça c'est lié. Mais voilà, en tout cas, une première réflexion à avoir, c'est que voilà, le libéralisme, qui n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais en soi, mais qui contient la graine de l'individualisme, si on ne le dépasse pas, donne appui au capitalisme qui est là pour atomiser les individus. Et là, on se rend compte, en particulier avec les jeunes générations, j'ai l'impression en tout cas, que voilà, c'est un peu chacun pour soi et qu'on ne comprend plus l'intérêt du collectif et donc de l'engagement politique, de l'intérêt à s'intéresser à la politique, etc. Sans forcément qu'il y ait d'engagement politique, mais en tout cas ne serait-ce que comprendre les enjeux de la politique, etc. Et l'une des conséquences, c'est l'abstention. Mais donc l'abstention veut dire quelque chose, et c'est pas une anathème qu'il faut jeter comme ça, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire l'abstention. Je rajoute pour préciser, au moment de la Révolution française, pourquoi est-ce que ce sont les bourgeois, à mon avis, qui étaient le moteur? Premièrement, parce qu'ils voulaient être calife à la place du calife, et deuxièmement, parce qu'ils ont les conditions matérielles, c'est-à-dire l'éducation, le fait d'avoir
à manger tous les jours, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir une certaine sécurité comme ça qui leur permet justement de réfléchir plus loin que simplement à la survie du quotidien. Donc ça a été les bourgeois pour différentes raisons qui ont initié quelque part la Révolution française. Et donc dans ce bloc bourgeois, il y avait des bourgeois qui étaient véritablement bien intentionnés et qui voulaient comme ça faire libérer le peuple français et que le peuple français devienne responsable de lui-même, libre, et donc participer lui-même, faire lui-même l'organisation de la société, c'est-à-dire la politique. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, les bourgeois sont tous des méchants et le reste du peuple sont les gentils, etc. Évidemment, c'est pas comme ceci. Il n'empêche que, parmi les bourgeois qui utilisaient la philosophie libérale, la liberté, tous ces beaux principes qui parlent aux gens, n'avaient aucune intention réelle de la faire appliquer, que ça devienne une réalité, d'accord? Et donc c'est pour ça que pour l'instant c'est resté dans la théorie, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je dis que ça reste dans la théorie, parce qu'ils n'avaient aucune intention que ça devienne réel. Voilà pour ce premier jeu. Merci de m'avoir écouté. À vos commentaires, dans le respect. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France!